Bienvenue à la 8e édition du Festival de la chanson française. Nous sommes avec Olive et Lou. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est Lou. Bonsoir, Olive. Alors, si vous deviez définir Olive et Lou, que diriez-vous ? Alors, Olive et Lou, avant tout, c'est un groupe. Hein, y a Olive et Lou, mais en fait, on est plus nombreux sur scène. Hein, c'est pas un duo. Olive et Lou, si on devait nous définir, ben on dit de nous qu'on est un groupe frais, coloré, festif. Les gens, quand ils viennent nous voir en concert, ils repartent avec le sourire et ils passent en gros un bon moment. On se moquera de tous ces gens qui capitalisent les secondes, ont toujours une longueur d'avance. Question du jour. Alors, René Lataupe, hein, premier des ventes de single avec le single Mignon Mignon, qu'est-ce que cela vous inspire ? Ben, on sait pas, en fait, parce que moi, je connais pas. Voilà. Mais c'est vrai, en plus, j'ai pas la télé et je sais pas du tout ce que c'est René Lataupe. Alors, j'imagine que c'est une grosse daube ou une grosse merde, quoi. Hein. Bon. En gros, malheureusement, ça nous inspire rien, en ouais. fait. Hein, c'est ça le problème, pour répondre à la question. Et sinon, bah, tant mieux pour celui qui a eu l'idée. Hein, s'il est arrivé numéro un, au moins, peut-être qu'il a compris comment ça fonctionnait. Nous, on n'a peut-être pas compris alors comment ça fonctionnait. On va y penser. Peut-être que ça pourra nous donner des idées pour la suite. C'est quoi l'air alors vous pouvez nous chanter un petit truc ou pas? Si, ça serait sympa, ouais. Juste un petit truc pour voir qu'est-ce que ça donne. Allez, en fait. Je me suis piégée moi-même. Alors, René Lataupe. T'es si mignon, 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 mais gros, mignon. C'est bon. Ah, mais c'est pour les enfants, en fait. Ah. Et malheureusement, alors, j'ai compris. Alors, en fait, il a tout compris. Ah, c'est aussi pour les adultes. Ou sinon, il a tout compris, parce que comme il a les trois quarts du temps, les enfants, enfin, les parents achètent plus pour les enfants, peut-être qu'il a compris le business, en fait. À y réfléchir. Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'es pas blonde, hein ? Non, non. Enfin, j'ai des mèches, en fait. Non, ben voilà, René Lataupe. Si elle veut aller, viens, verras, on sera mieux. Allez, viens, je t'emmène là-bas. Au-dessus des hommes, bien au-dessus des lois. Alors, chaque année, le festival rend hommage à un artiste de la chanson française qui nous a quittés. Cette année, donc, est consacrée à Charles Trenet. Dans ma main, j'ai des petits papiers dans lesquels il y a des couplets de différentes chansons de Charles Trenet. Je vais vous demander de piocher un petit papier au hasard. Comme vous voulez. Et de me lire... de me lire ce qu'il y a écrit et de nous faire partager ce que cela vous évoque. Ah, il y a de la joie. Charles Trenet, 1937, il y a de la joie. Vas-y, chante-le. Et il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Alors, est-ce que tu trouves qu'il y a de la joie, toi ? Ouais, c'est quand même 1937. Alors, je sais pas s'ils avaient de la joie en 1937. Oui, après René Lataupe, on peut avoir la banane, quoi. Mais il y a de la joie, oui, on essaie. Nous, enfin, en tout cas, on essaie de garder cette petite lumière qui fait qu'on peut avoir on peut se lever avec la banane. On essaie. En tout cas, nous, on a la banane, puisque oui. Ce soir, on vient faire ce qu'on aime. Hein, on vient quand même faire un concert. C'est énorme. Donc, ce soir, c'est bien tombé. Il y a de la joie. Hein. Ouais. On est content. Il y a de la joie ce soir. Voilà. Après, s'étendre sur le reste, non, c'est trop compliqué. Puis, il y a nos chansons. Il y a des chansons où on en parle de justement ces côtés où il y en a moins de joie. Voilà. Et des fois aussi, oui, il y en a un peu. Quand même. Oui, parce qu'après, on va croire que le concert va tous pleurer. C'est pas que non plus, Olive et Lou, c'est pas que non plus feu d'artifice. Il y a aussi, il faut se rendre à l'évidence, il y a des choses qui nous dérangent. Quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai ouvert mon petit papier et malheureusement, je ne la connais pas. Donc, le jardin extraordinaire. C'est quoi ? C'est un jardin. Ah oui, extraordinaire. Et après, il y a les canards qui parlent. Fais-le en slam. Moi, je ne me rappelle plus trop l'air. En slam, d'accord. Oui. Ou en rap. D'accord. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent en me disant « Thank you very much, monsieur Trenet ». Ça faisait un peu robot, ça, non ? Ah, ouais. Nous la chanter ? Non. Si, elle va le faire. Si. Non, elle a Audrey, tu viens nous chanter la petite chanson ? C'est un jardin
extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, monsieur Traîné. » Ben, merci beaucoup. Merci. Et puis, ben, bon concert. Merci. Vous restez un peu ? Oui. Bon, ben voilà. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je me suis régalée. J'ai passé, je pense, une heure et demie sur mon fauteuil, alors à sautiller, parce que c'est vraiment rythmé et plein d'humour. Donc, je conseille à tout le monde, Olivier Loup. Très agréable. C'est plein d'enthousiasme, plein d'énergie, avec de belles chansons. C'était très agréable. Entre les compositions, les reprises personnalisé, les jeux de scène, c'était un moment très agréable. Ouais. Ouais. Beaucoup d'ambiance. J'avais une bonne vision de la scène, c'était vachement bien. Ouais. C'était bien éclairé, hein. Il y avait un bon trompettiste, il y avait... Non, ils étaient bien, je me suis régalé. Bon, Olivier Loup, il faut aller les voir. Hein.